On pourra faire passer des trains par le cloud. Regardez à cœur, vous avez un programme en train, tu fous, où tu vas qu'il y a. On va monter dans le train au bon moment. Parce qu'il y a des gens, si vous êtes là, pouf, vous êtes immatérialiste, la jambe, vous êtes le train, vous, vous êtes sur le quai de la gare, avec un train. Il n'y a plus de train, et en plus, vous n'êtes plus qu'une jambe. Vous êtes un peu con. Vous voyez, il va y avoir des trucs comme bien, il faut bien se préparer à des trucs de fou, quoi. On téléportera les voyageurs, hein, par SNCF.com, des trucs de fou. On fera du télétravail de n'importe où. Mars, Vénus, Jupiter, et même Clichy Lagaré. Avec les nanotechnologies couplées à Internet et à la SNCF, en chimie des peintures, on pourra choisir la couleur de son train. Et même la faire varier en cours de voyage. Ça sert à rien. Et ça fera parler de nous sur les réseaux sociaux et ça améliorera le financement sur Google. On écoute ce qu'on va faire, ben c'est dingue. Les trains pourront s'auto-maintenir de manière préventive, avec des huiles bio. On modifiera l'ADN des arbres le long des voies pour qu'ils poussent courbés dans le sens. Vous vous rendez compte? On ne reviendra plus en vacances. Hein? On les programmera digitalement. Et au passage, on modifiera par Internet et Big Data la génétique des voyageurs pour qu'ils arrêtent de nous faire chier avec les billets. Hein? Bon, les étudiants pendant tout le trajet. Paf! Économie contrôleur. Et on affectera tous les contrôleurs au centre R&D digital. Puisque les contrôleurs, ils maîtrisent déjà les outils digitaux. Clic, poum. Vous voyez, il y a du boulot dans le digital. Le monde entier, ça la réveille, ça le challenge, ça l'excite, le numérique. C'est la quatrième révolution industrielle. Comptez pas, on a compté.